Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 284 de Stage One et nous allons jouer aujourd'hui à The Weaponographic. The Weaponographist. Wow. The Weaponographist, c'est un peu dur à dire. C'est un jeu qui est en anglais et c'est un jeu que je ne connais pas. Donc, et qui se joue aussi à la manette. Alors, on va essayer de suivre vite fait l'introduction. Légendaire. Putain, ça allait super vite. When suddenly. Master McGrave. Over here, it's really is you. Démonique, blablabla, je comprends pas ce qu'il dit. Ça va super vite. On va skipper, je crois, hein, parce que je sais pas ce que c'est. The Weaponographist. Alors, qu'est-ce que j'ai en option? Music Soon, Keyboard, Controller. Donc, ok, on va, il est pas du tout en français. Hein. Windows Size. Bah, on est en full screen, c'est bon. On est sur du 1080, tranquille. Et, bah, on va appeler. Welcome to Hellside. It's a humble little town, blablabla. Ok. Ok. Use to move, ah ok. Use to gravit. Merde. The little fella, talalala. Donc en gros avec les 4 touches vous tapez en haut, en bas, à gauche, à droite. Press RB to pick up that sword. RB, donc c'était lui. Je suis toujours un peu un handicapé. Merde. T'es encore vite le salaud. Oh le salaud. Cast a spell. Fantastique. Ok. Ok, ok, ok. Donc on est sur un jeu. Je sais pas, j'y connais rien dans le style de jeu. Je sais pas, c'est un jeu RPG ou c'est un jeu. Oh putain, il est monstre partout. Ok, je suis en train d'essayer de comprendre comment il faut jouer. C'est pas facile en fait, hein. Ça les tient à distance, mais j'ai pas bien compris. Ok, donc là j'ai tué tous les ennemis, je crois. Hein. Ok, et ben je continue, c'est parti. Level 1. Ah, il aurait peut-être fallu que je fasse des combos pour. En fait, c'est un jeu qui est complètement bizarre, en fait. Voilà, mon personnage est mort, je crois. Voilà. Doom. Defeated. New upgrade unlocked. Ok, et ben si c'est ça, le jeu, c'est sympa. Welcome back, blablabla. Bla, 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 bla. Je comprends pas ce que tu me dis, dans tous les cas. Est-ce que je peux parler à elle? Welcome, lady. Alors...
Ok, donc j'ai augmenté mon attaque à la sword. Et lui, qu'est-ce qu'il veut, lui? Ok, lui, qu'est-ce qu'il veut? Donc c'est pour les sorts. Increase Elf Capacity, ok, et pour ça il me faut de l'argent. Et bah pour avoir de l'argent, il faut aller combattre. On est parti. Ok. En fait, ça y est, je suis presque bon maintenant. Presque. En fait, l'arme s'use, en fait, au passage. Hein? Je vais essayer de pas trop perdre rapidement. Ok, l'entrée vient de se rouvrir. Donc tout ce que je peux faire pour l'instant c'est retourner à l'entrée. Ah non d'accord, c'est là d'où je viens. Enfin c'est pas là d'où je viens, c'est un autre niveau en fait. Ok. Je sais pas comment parer les gens. Oh putain, une baguette. C'est trop bien les sorts. Ok. Puis il y a des mecs qui tirent partout. Oh putain, il me reste bien que plus de vie. Bientôt plus de vie. Oh putain. Oh le salaud. Et j'ai pas eu la baguette du sorcier. J'ai pas eu la baguette du sorcier, du coup je suis un peu triste. Là je vais perdre, c'est sûr. Oh putain, la tronçonneuse quoi. Ah, elle m'a mis un coup de tronçonneuse. Va te faire enculer. Wouhou. J'ai gagné plein de choses. Oh, il est pas content, mais il est parti, on est parti revivre. Alors, qu'est-ce que je peux augmenter cette fois-ci? Sword. Raisonnable power. Donc j'ai augmenté ma puissance. Oh putain, c'est pas... On a direct des ennemis comme ça. Tranquille. C'est bien, il m'a donné un cœur, sauf que ça ne sert à rien pour l'instant. Ah bah si, ça sert. En fait, c'est pas les mêmes ennemis. Je recommence pas du début à chaque fois. Ah, je suis fort à la sword là maintenant. Et c'est trop bien. C'est trop bien, je suis trop content là. Ce jeu est trop classe. En plus comme on est plus fort, bah du coup on les tue un peu plus vite. Même si bon bah là pour l'instant c'est des ennemis normaux.
Il me faut une épée. Yop. Ah putain, j'ai pas eu le temps de barrer. Ah, un petit cœur en plus, tranquille, pour regagner ma vie. Tranquille, deux par deux. Quand j'ai juste encore un peu du mal avec la façon de jouer, mais ça va. Putain, j'ai toute ma vie, quoi. Truc de ouf. On passe direct au prochain level alors que j'ai toute ma vie. Trop bien. Oh putain, une tireuse. Oh la salope. Casse-toi, salope. Espèce de salope de tireuse. Alors là, je suis déjà à 600 pièces, donc ça c'est bien. Hop là. Oh, un arc. C'est pas la même tireuse. C'est pas une tireuse qui fait semblant, ça. Casse-toi, espèce de salope. Oh, le sorcier. Oh, le vilain. Casse-toi. Touche-toi, je te prends ta baguette et ça va chier. Ça va chier. Ah, j'ai plus le sort, t'es sérieux? On a changé de pièce et j'ai plus le sort du sorcier, fils de con. Il a rasé celui-là. J'aimerais bien obtenir une arme, s'il vous plaît. Parce que ça va pas le faire, ça, tout ça. Putain de sorcier de mes couilles. Ah putain. C'est juste pas possible. Là, je suis mort, mais j'avais plus d'armes que des tireuses de flèches de merde là. Ouh, new upgrade. Reviving Town. Alors du coup, qu'est-ce qui me permet... Oui, having a trouble, oui. Alors lui, il me permet d'augmenter ma capacité de vie. 1500 quand même. Lui, c'est un sort run speedrun. Sword, je suis déjà à fond. Fist. Fire ring. Hop, j'ai augmenté ma capacité en fire ring. Et on va augmenter ma capacité en spear. Et puis on va se refaire une petite partie. En fait, il n'y a pas grand chose à dire, en fait, on a... Oh putain, il y a des trous. C'est sérieux? Il y a des mecs sans tête, il y a des trous. Putain de fils de con. Allez, tap. Les terrains sont what the fuck différents, quoi. Oui, un petit cœur. Mais j'ai pas besoin de cœur, j'ai pas encore perdu de vie. Il y a des levels où vous perdez carrément trop de vie, et des levels où vous perdez rien du tout. Ah putain, voilà. Faut faire très attention à l'utilisation de mon arme. Holo. Hop, on change d'arme et c'est parti. On passe dans le level suivant. Y'a pas de tireuse et ça c'est bien. Ah putain, je disais y'a une tireuse qui apparaît, quoi. Sans déconner. Ça va être le truc chiant, ça va être la bête noire du jeu, ça va être la putain de tireuse d'élite là. Évidemment elle reste hors d'atteinte cette salope. Ouh, le sorcier de mes couilles.
YOLO, je te... Tranquille, tout ce que j'ai buté là. Ah, je suis content. Oh, je suis content, je passe au troisième level et j'ai toute ma vie. Oh le sorcier, oh le sorcier de mes couilles. Je déteste les putains de tireuses d'élite. Oh les salopes. Ouh, ça fait mal, ça fait mal. J'aurais pas dû lâcher mon arme, j'aurais pas dû lâcher mon arme. Parce que là, j'ai plus rien à part mes points. J'ai plus rien à part mes points. Et voilà, j'ai perdu. J'ai plus rien. Quand vous avez que vos points pour tirer sur des tireuses d'élite, et ben, ça fait très mal. Par contre, on gagne plus de pièces. New upgrade. Hop. Item unlocked. Ah, il se relève et c'est reparti. Et en gros... Je peux augmenter mon arc, mais ça ne sert à rien. Je peux pas augmenter mon fire, machin. Par contre, sword, j'aimerais bien l'augmenter, mais je peux pas. On va pas le spear. Slow combo meters. Je sais pas ce que c'est ça. C'est le nombre de... Allez, on s'en fait un dernier. J'ai dit qu'on avait arrêté, mais on s'en fait encore un. On s'en fait encore un. Tranquille. Oh putain, j'ai plus d'armes déjà. En fait, au début, c'est quand même assez facile. Quand même. Oh. Premier niveau facile, c'est juste quand on a des tireuses d'élite là qu'il y a que ça et que... Et que vous avez plus d'épée, bah c'est juste pas possible quoi, c'est juste n'importe quoi. Le level en tout cas. Il devient vite n'importe quoi, putain, à la main, sans déconner. Putain, j'ai réussi à me le prendre quoi, j'ai rattrapé la flèche. C'est sérieux? Regardez, quand j'ai plus d'armes, c'est n'importe quoi. Plutôt elle tire dans les murs, tranquille. Oh, YOLO. Ouh, j'ai ma vie. Ouh, ça c'est bien. Ah, lui il va me tirer sa bouboule. Ok, hop, allez, on a regagné la vie, ça y est, on part. Pour le level 2. Intérêt à garder mon arme cette fois-ci. Parce qu'il va y avoir des tireuses, ça va sentir la merde.
Je suis super concentré, je parle pas beaucoup dans ce niveau, sans déconner. Ouh, j'ai fini le niveau 2 tranquillou. Allez, c'est parti. Oh, c'est quoi ça? Y'a rien dedans, ok. Tranquille, on détruit le décor, c'est posé, c'est posé. Ok, il y a des coffres qui se baladent avec de la vie dedans. Ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien. Ça commence à être intéressant parce qu'il y a de la vie quoi. Il y a des trucs à récupérer. Et là, je suis déjà à 1700 pièces, c'est trop bien. C'est trop bien. Oui, je te nique ta gueule, je te nique ta gueule. Alors là, c'est beaucoup de pièces. Les trucs bleus, c'est beaucoup de pièces, en fait, hein, tout simplement. Ouh, j'ai passé niveau 3, j'ai passé niveau 3. Ça aurait été tendu, c'est vraiment la dernière partie qu'on va faire, mais c'est ultra tendu. Allez, et je poustienne comme un gros porc. Il faut vraiment pas qu'ils me touchent parce qu'ils font vraiment très très mal. Et ils rapportent de l'argent quand même un peu, mais bon, ils font vraiment très mal quand même. Je sais pas qu'est-ce que je peux faire avec ça. Ah d'accord, c'est juste les toucher en fait. Ok, c'est un peu nul quand même. C'est un skill un peu nul. Mais c'est vraiment un skill vraiment nul parce que c'est... Ok, j'ai pété mon arme, ok. J'aurais préféré quand même ma super arme. Bon bah allez, on est parti en tronçonneuse. Oh putain, il était incroyable lui. Voilà, j'ai perdu. Ouh, et j'ai gagné quand même 2600 sur cette partie. Donc effectivement, on gagne de plus en plus. Aigas Combo 101. Aigas Level 3. Et ben c'est un jeu qui est vraiment... vraiment trop bien. C'est jeu de rôle, hein, voilà, typiquement. On est carrément dans un jeu de rôle. Mais il n'y a pas... Je suis juste un peu déçu qu'on puisse pas augmenter un peu plus certaines choses. Voilà, chainsaw, machin. On va aller augmenter le fist. On va augmenter le chainsaw. Chainsaw. Voilà. J'ai augmenté tout ça. J'aurais pu... augmenter autre chose, mais je m'en fous pour l'instant. On va s'arrêter là sur ce jeu. Donc, c'était le jeu qui s'appelle... J'ai oublié de... Putain, j'en ai marre d'oublier les noms des jeux. Je joue à un jeu, je démarre, je fais on va jouer à ça, et puis j'oublie correct comment il s'appelle. J'ai oublié. Voilà, donc c'est pas grave. Je vous dis que si vous avez aimé, parce que moi j'ai beaucoup aimé ce jeu, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner pour d'autres jeux. Il y en aura d'autres à découvrir. Si vous le connaissiez pas, ben j'espère que je vous aurai fait découvrir un bon jeu, parce que je pense que je vais y rejouer. C'est typiquement le genre de jeu que je rejoue, ça. Ben, on peut aller de plus en plus loin, quoi. Plus on y joue et plus, enfin voilà, c'est un truc de ouf, quoi. Donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et puis on se dit salut.